Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, nous irons d'abord au lycée Paul-Emmanuel Higué pour évoquer ce scandale alimentaire qui défraie la chronique. Mercredi, des élèves ont découvert dans leur beignet de la matière fécale. En colère, ils ont essayé de se faire justice avant d'être arrêtés. C'est ce jeudi. Leurs condisciples ont marché pour réclamer leur libération et la condamnation du commerçant camerounais, auteur du forfait. Les chirurgiens dentistes de la sphère francophone et particulièrement d'Afrique sont en congrès à Libreville depuis ce jeudi. Il s'agit d'une rencontre scientifique qui doit contribuer à renforcer les capacités des praticiens en vue d'améliorer les offres de soins et donc de mieux régler les problèmes de santé dentaire. C'est l'Association nationale des odontostomatologistes du Gabon qui accueille cette cérémonie et c'est pour 3 jours au Palais du Sénat. Une famille habitant le quartier Louis de Libreville a été victime d'un incendie ce matin. Mise en cause, un court-circuit, les flammes ont tout emporté, surtout les pièces d'état civil. Cette famille risque de passer la nuit à la Belle Étoile si personne ne vient à leur aide. Marcel Tsonga et Rufu Itoga pour le constat. Un court-circuit serait à l'origine de cet incendie qui risquerait de faire de cette famille des sans-abri. Elle a tout perdu ou presque. Les cris et les larmes expriment ici le désarroi. C'est mon petit frère qui est venu m'appeler ce matin que chez notre mère s'est brûlée. En venant, je trouvais que la maison s'était déjà brûlée. J'ai essayé de poser les questions, ils m'ont dit qu'ils n'ont rien branché, ils n'ont rien fait. Les autres étaient déjà chez la tante. Lui, il était à l'école. Et j'ai posé la question au garde de pompiers, ils m'ont dit que ça doit être un faux circuit de courant, je ne sais pas. Des cris et des larmes de détresse invitent ici les personnes de bonne foi à la rescousse de cette famille qui a tout ou presque perdu. On n'a rien récupéré. On n'a rien. Les actes de naissance, tout, on n'a rien récupéré. On n'a rien. On va commencer quoi? Les gens de bonne foi, s'ils peuvent venir en aide, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire. La famille Belikana Diangoké lance ainsi un cri d'alarme au ministère de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale. Pour une aide matérielle, financière, surtout pour les enfants qui ont perdu leurs actes de naissance et trousseaux scolaires. Je vous le disais en titre, au lendemain de la découverte de matières fécales dans les beignets qui leur étaient vendus par un commerçant camerounais, les élèves du lycée Paul-Emmanuel Higué d'Oloumi ont investi une fois encore la voie publique pour réclamer la justice et la libération de leurs condisciples interpellés mercredi par le mouvement. Kenny Ongori. Ils ont choisi de ne pas regagner les salles de classe après la récente découverte qui les a poussés à observer un mouvement d'humeur mercredi dernier. Des matières fécales dans de la nourriture, voici les raisons de la révolte de ces jeunes. Oui, c'est un autre mouvement d'humeur parce que on aimerait quand même, dirais-je, l'aider pour ce qu'on a enduré depuis qu'il est là en fait. C'est juste qu'un monsieur au lycée là-bas qui est habitué à nous vendre de la nourriture, plus précisément des gâteaux, faisait, comme on appelle ça, des mélanges avec les excréments, c'est-à-dire, comme on dit chez nous, les caca. On l'a attrapé. On l'a amené dans une cellule, mais on nous fait comprendre qu'il va redescendre d'ici là. Donc, on voit pourquoi nous sommes tous attendus à ne pas accepter qu'il redescende. Parce que s'il descend, ça va forcément créer des paniques. Ils réclament également que justice soit faite. Aussi demandent la libération de leurs condisciples interpellés pendant le mouvement. Justice soit faite. Parce que pendant les manifestations hier, il y a d'autres qui sont passés en prison. C'est pas normal. On manifeste parce qu'on nous vend d'un chip qui n'est pas bon. Pourquoi envoyer des élèves en prison parce qu'ils ont manifesté qu'on nous vendait des caca, comme on dit ici. À moins d'un mois de la récente découverte d'un sous-vêtement dans une marmite de lait, cette découverte plus ignoble des matières fécales dans de la nourriture met au grand jour le problème d'hygiène publique et de sécurité alimentaire dans les écoles et les petits commerces. L'épilepsie, c'est davantage que des crises. C'est le thème de la première édition de la Journée internationale de lutte contre l'épilepsie, célébrée au Gabon depuis ce mercredi à l'École normale supérieure de Libreville. L'épilepsie, faut-il le rappeler, est très souvent présente en Afrique et souvent maltraitée parce que perçue comme une malédiction. Marcel Tsonga et Rufu Itoga pour le reportage. Qu'est-ce que l'épilepsie? Comment se manifeste-t-elle et comment la prévenir? Autant de préoccupations qui apportent des réponses. Une prédisposition génétique, une lésion cérébrale ou les phénomènes maturatifs. Ça manifeste de plusieurs manières. C'est pour cela que je dirais même qu'il y a plusieurs crises. Il y a les crises qui nous donnent la maladie
épilepsie absence. En général, c'est une rupture de contact avec l'environnement, révulsion des yeux. Il y a les crises qui sont généralement observables par tout le monde, c'est-à-dire c'est le type de crise tonico-clonique, c'est-à-dire le corps va bouger et donc à ce moment-là, on aura morsure de la langue, émission de bave. Maladie neurologique, l'épilepsie n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une maladie contagieuse, ce n'est pas une maladie mystique surnaturelle. L'épilepsie est une maladie due au dysfonctionnement de ce type de neurones-là, donc qu'il y ait d'abord le cerveau qui est touché. Deuxièmement, il y a une vingtaine de molécules qui traitent de l'épilepsie. Je vous parlerai par exemple de la dépakine, du gardénal, pour ne citer que ces deux-là. Créer autour de cette journée une chaîne de solidarité en faveur des enfants en situation de handicap à cause de l'épilepsie, c'est le combat que se donnent les spécialistes de la santé. Des conférences, ateliers, activités ludiques à cet effet sont organisées jusqu'au 28 mars. Le groupement des associations des dentistes francophones CADEF est en congrès à Libreville. Il s'agit d'un congrès régional qui réunit les praticiens en vue d'un renforcement des capacités, l'objectif étant de mieux combattre les problèmes de santé dentaire. Ce congrès, qui est le deuxième que le Gabon organise en 10 ans, est encadré par l'Association nationale des odontostromatologistes, Samperonba et Rufu Itsoga. Ce deuxième congrès organisé par le Gabon après celui de 2004 réunit les plus illustres odontostomatologistes de l'Afrique francophone. La rencontre participe au renforcement des capacités de ces praticiens dont l'ambition est de mieux combattre les problèmes dentaires récurrents qui en font un problème de santé publique. Ce congrès est pour le GADEF un moyen important d'assurer la formation continue des praticiens. C'est un congrès scientifique où les résultats des travaux, d'expériences et de recherches sont délivré. Le message du groupement des associations dentaires francophones est clair sur la question de la santé dentaire. Il faut faire de la prévention. S'il y a un mot-clé à retenir, c'est prévention une fois de plus. Prévention à la fois des maladies carieuses, prévention des maladies de gencives, ce qu'on appelle les maladies parodontales. Et donc ce qui implique derrière, c'est qu'il y a un certain nombre de communications, un certain nombre de conférences. Dans la conférence inaugurale qu'il a animée, le professeur Denis Bourgeois, vice-président de l'Université de Lyon et président du GADEF, a évoqué le biofilm qui expliquerait les difficultés de traitement de l'appareil bucco-dentaire. Plutôt que d'attendre qu'il y ait un gros développement, ce qu'on appelle la plaque dentaire avec des bactéries, autant anticiper et désorganiser ce biofilm, parce qu'on est sûr que si on le désorganise, à partir de là, les bactéries ne pourront pas venir s'agripper dessus. Cette rencontre scientifique internationale donne lieu aussi de découvrir les différentes technologies qui permettent aujourd'hui de mieux entretenir ses dents et sa bouche, de la naissance jusqu'à dans la vieillesse, en sachant que la santé dentaire devient plus fragile à l'âge de 40 ans. Après les nombreuses publications dans la presse locale sur la situation de la Chambre des huissiers de justice du Gabon, c'est ce qu'il considère comme étant un cabale médiatique orchestré par Maître Eliane Oberdono à l'endroit de la trésorerie de son ancien bureau, M. Bertrand Abessolo, trésorier du bureau sortant, a tenu à clarifier l'opinion. Il est au micro de Kenyon Gori et Justin Bitegui. Nous, trésoriers sortants, venons par la présente voie pour recadrer et dénoncer avec vigueur le comportement indigne et regrettable affiché par notre consoeur Maître Eliane Oberdono. De prime abord, il est important d'informer ici l'opinion nationale et internationale que Maître Eliane Oberdono Léori Ontala n'est plus présidente de la Chambre nationale des huissiers de justice du Gabon. Son mandat a pris fin le 4 mars 2014. Il est de notoriété publique que dans toute organisation, le bureau sortant a l'obligation de rendre compte de sa gestion en assemblée générale, de ses membres et de tout azimut par voie de presse. À ce jour, nous attendons la convocation de Maître Eliane Oberdono d'une assemblée générale extraordinaire de dépôt de bilan pour nous permettre de préparer et présenter un rapport financier définitif et fiable. Le cas échéant, nous demandons à Maître Eliane Oberdono de nous transmettre les pièces comptables relatives au dernier colloque international de l'UFOJA de Libreville. En définitive, à Maître Oberdono
qu'elle a été élue au cours de ses 3 mandats successifs par le Collège des huissiers de justice, auquel elle est tenue de rendre compte et non à toute autre personne ou organisme. Pour la fin de ce journal, nous parlerons de la 5e étape du show Urban Live, programmé pour ce samedi à l'Institut français de Libreville. Les organisateurs ont tenu à donner toutes les informations possibles se rapportant à cet événement dont l'objectif visé est la valorisation de la culture gabonaise. Muriel Ndongyene et Rufu Itsoga. C'est au cours d'une conférence de presse tenue à l'Institut français du Gabon que l'annonce de la 5e étape du show Urban Live a été faite après quelques mois de trêve. Ce samedi, un artiste aura l'occasion de communier avec son public. Il était question de présenter donc l'artiste qui va faire partie de la 5e étape du show Urban Live. Il fallait donc remettre l'information à jour, donner la date et présenter donc Sinch O, l'artiste qui serait donc à l'honneur cette fois-ci. Conçu pour promouvoir les artistes gabonais, surtout les débutants, le show Urban Live se voudrait désormais une véritable plateforme pour l'épanouissement artistique des artistes. Et chaque mois, on a un événement. Et à chaque événement, on organise une conférence de presse pour entrer en communion avec la presse et pour qu'elle relaie l'information en ce qui concerne les lives de Urban FM ici à l'Institut français qui a pour objet de valoriser la culture gabonaise, les artistes gabonais et peut-être les porter à l'international. Depuis son démarrage, le show Urban Live permet aux artistes qui ont du contenu musical de se produire et s'améliorer. Il est surtout le pont parfait entre la musique traditionnelle et la musique urbaine moderne. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir regardée. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. À demain 20h.